ou sur Wendy 509, ou fait bon choix. Haïtien tout partout, branché au niveau de la diaspora, haïtien qui dans la Coupe Brésil. Grand pile haïtien là qui est pas content, qui a supporté Brésil dans fait football. Bon, Brésil fait rentrer là en matière qui pas bail aucune assurance. Alors, n'a salué haïtien qui en Argentine, en Équateur, en Colombie. Oui, il y a haïtien là. Haïtien qui dans pays Bahamas, Curaçao, haïtien qui sous île la Providence. Et puis il y a haïtien tout qui aux États-Unis, au Mexique, au Canada, haïtien qui dans pays la Turquie, haïtien qui dans pays la France et là on revient en Amérique du Sud, haïtien qui Suriname, en Guyane française, haïtien qui en République Dominicaine ou sous Wendy 509 à Réa Côte de la Célie, depuis où c'est haïtien ou capable relayer nous famille. Faut dire que police Kenya yo rivé 400 officiers kenyans sortis dans pays Kenya, bien sûr, en attendant reste troupe cap rejoignyo qui t'a de compléter une quantité de 2500 qu'après participer dans force multinationale là. Yay yay. 2500 policiers ensemble avec des militaires pour la force multinationale. Au fond, c'est que nous devons remercier ensemble de confrères qui eux-mêmes étaient déjà sur place et sur le tarmac de l'aéroport pour faire une vive information en temps réel. Donc bravo à ces frères et confrères parce que eux-mêmes ils ont un travail que vous faites là côté nous jeune information rapide. Mais côté travail nous on est beaucoup plus important, c'est permettre pour nous comprendre ça police kenyan vient faire là. Et puis tout ça qui a passé en bas que yo poko parler sous lui. Alors, faut dire que force multinationale là c'est désormais une réalité. Yo atterri. Mais semble nèg yo pas vin simple parce que nèg yo ni atterri là, yo tout commencé avec un rituel gardé pour eux. Une information qui extrêmement important. Faut dire que force là, l'a coûté comme l'a coûté en pile l'argent. Parce que là parlé de millions. Mais quel que soit pays dans monde là, un million de dollars sont paquet l'argent. Côté en Arabie Saoudite, côté en Colombie, côté dans pays Zimbabwe, côté dans pays Qatar ou États-Unis, yon million de dollars, c'est yon million de dollars. Donc ça veut dire, comme là, presque la même valeur, n'importe côté lié. Bon, moi, quand je parle ensemble avec nos amis internet, faut me dire que si je suis un million de dollars, j'ai vraiment senti que, comme content, parce que je connais grand pile que je fait ensemble avec lui. Donc, quand on parle de million de dollars, ça veut dire que n'a parlé de un pile l'argent. Alors, force là, tu dois écouter, selon toute projection qui fait par rapport avec et sa force là qui a coûté sur l'année, c'est 240 millions de dollars sur l'année. Ça veut dire, comme yon projeté pour force là fait 2 ans au maximum dans le pays d'Haïti, ça veut dire que force là, tu dois écouter 480 millions de dollars. Donc, c'est très, très coûteux. En pile l'argent. Alors, en plus de ça, bah nous avons information, tenez bien. Ou un policier kenyan qui vient là, les 400 policiers
comme premier ça qui rive. Non seulement nèg yo continue toucher chèque yo dans pays Kenya, alors pa konn combien cob nou pa révéler quantité l'argent que nèg yo touché dans pays Kenya qui actuellement là sous gros tension. En plus de comme ça, police kenyan yo nèg yo pral toucher, tendez bien, entre $1,100 à $1,500 chaque mois. On met le petit quoi, oui. C'est vrai que en matière de sécurité, comme pas jamais trop. Même si on parle de millions, même quand on parle de milliards de dollars, mais l'argent pas jamais trop parce que sécurité c'est premier bien au monde besoin gagner. Voilà, si Jovenel Moïse était présent, bon petit phrase, il t'a plagué là. La sécurité est le premier des biens publics. Ça veut dire, nous toutes là, soit qu'on vive dans un pays, ou bien, quel que soit le pays que nous vivons dans la diaspora, depuis que la sécurité côté nous, pas l'État. Donc, plus gros investissement que nous capable de faire pour vivre, c'est en matière de sécurité. Donc, ça veut dire, sécurité, c'est tout côté, lui-même, qui est important. D'ailleurs, ouais, aux États-Unis, nous sommes capables de dire pays États-Unis, c'est au nom de la sécurité des États-Unis qui fait qu'ils font une série de guerres à travers le monde. Ça veut dire, question sécurité, c'est extrêmement important. Donc, quel que soit l'argent, que le t'as million, ou alors que le t'as milliard, il n'y a pas un problème pour les Américains. Parce que, ils connaissent ça qui est plus important pour les gens qui ont vu ce bout de ça. Qui donc? Faut dire que, à titre de comparaison, c'est important. On prend les Kenyans qui pourraient toucher entre 1100 à $1,500. Ça veut dire, lors de unité spécialisée dans PNH, qui t'a doué, bon, m'a koué gagné, alors m'a prévu les salaires policiers comme si m'a fait pour me faire. Mais nous connaissons que, on est qui dans unité spécialisée dans le pays d'Haïti, il pas touché plus que 50 000 gouttes. Or, 50 000 gouttes dans le moment que nous avons parlé là, m'a koué plus que $300. Donc ça veut dire, sous prend $1,200 comme l'argent que nèg Kenya yo pral toucher en moyenne, ça fait 4 fois l'argent que yon unité spécialisée dans le pays d'Haïti lui-même l'a touché. Wallen fait comparaison ça, il y a un peu de monde qui pas content parce que il pral dire rapidement pour qui ça nous pas ka gen l'argent ça et puis nous remettre campé force de sécurité pays à savoir l'armée et la police pour le ta fait travail. Contrôle le territoire et puis protéger accès vie dans milieu dans la babzi dans ville yo. Mais comment vous comprendre c'est que blanc lui même t'a fait j'efforce ça pour vous ou peut-être lui tout. C'est parce que ou même ou pas faire malgré tes moyens pour ça. On imagine que mon qui t'a géré Fonbeto Caribe yo, yo t'a investi dans la police ensemble avec l'armée. Est-ce que jodi a nous t'ap gon situation qui dégénéré dans niveau ça? Je ne crois pas. Est-ce que jodi a nous pral gagner on la police qui bien campé? Et puis on l'armée qui peut être capable grand pile officier mais qui t'est capable camper au moins à 5000 moun. Parce que quand même $240 million pour on capable dit pour une mission. Mais nous même nous prenons l'argent ça et puis nous mettons campé en police nationale d'Haïti qui normal et puis on leur met cap faire travail. Donc ça veut dire gagner. Alors, faut dire ça. Ou la police va bataille contre bon côté police kenyan yo, va gagner en pile frustration parce que policier lui même qui va toucher plus que $300. Li va bataille avec un nèg ou bien bon côté nèg cap touché plus passé $1,200. Alors, baka chez nous, hein, pral gagner en pile frustration. La police a pral frustré en pile. Donc, force la atterri, c'est en réalité désormais. En attendant que reste troupe yo rejoigne 400 officiers qui déjà là sous terrain, n'a communiqué à chaque fois information cap vini. Alors, faut dire que force là lui-même il tout entré dans bataille oui là parce que depuis force là entré, il prend gain pour le bataille avec gang. Et qui dit gang,
dit vive ensemble. Alors, faut dire que travail là, li pas facile. Pas grand pas facile là. Pas parce que faut ça pas en entrer là et puis nèg vivre ensemble pour le replier ou bien pour le plier que yo et puis nous pas passer en 2 ans sans que nèg yo même yo pas agi, après ça yo retourner. Bon. Alors c'est la stratégie que peut-être en pile la gang yo a préparé. Mais ça que nous connaît c'est que gagner une obligation de résultat puisque l'agent cap mobilisé là pour la force multinationale son l'agent côté contribuable américain a demandé en pile compte donc n'est obligé bail un minimum de résultat en 2 ans qui pour permettre que élection réalisée en dans pays a leur toutes conditions yo fin réunis. Donc, mais pendant ce temps, on a un travail pour nous faire pour tête nous. Ça est extrêmement important. Et un autre travail que nous avons pour nous faire pour tête nous, c'est que, avec ressources que l'État lui-même l'a mobilisé, il faut le temps de profiter, camper en l'armée. Oui, camper en l'armée. On l'a armée de 5000 officiers. Et pourquoi pas, remembrer la police là, mettre là 10 000 policiers, qui est avec un café, et puis mettre prison dans le pays. Aussi simple que ça. Donc, en parlant de prison, faut nous garder le dossier yon. Alors, Jamin Jolie, alias yon. Nous apprenons que monsieur qu'on allait devant un tribunal dans Washington, pays États-Unis, pour le passer 35 années ou bien 420 mois dans prison. Alors, l'ordre dit 420 mois, c'est un nombre. Mais l'ordre dit 35 ans, c'est aussi un nombre. Mais Lilou en pile. Moun ki parle anglais, on dit 35. Donc, ça veut dire 35 ans en vie ou pral passer des barreaux. Alors que, nous apprenons que yon, monsieur la douane 32 ans là. Année ça, bien sûr. Donc, ça veut dire yon a quitté prison à 67 ans. Le sa yon papillon yon kono, yon ka vin yo. Parce que le sa, monsieur a perdu tout Jevrin. Alors, faut dire que le procureur fédéral yon jouen 48 chefs d'accusation pour yon capable condamner yon. Et parmi accusations sa yon, faut dire yon était condamné pour trafic d'armes, kidnapping, ensemble à contrebande. Malgré yon te mandé pardon, pas un jouet nan sa non? Plaider coupable, avocat li yo pas capable faire rien devant Jiria et yon yon obligé prend 35 années prison. Alors, yon n'a pas qui important pour nous comprendre tout. Ou américain pas jouer avant. Quand il s'agit de intérêt américain, pas gen jouet. Et quel que soit américain, quel que soit côté lié, le gouvernement américain gon yeux sous lit en quelque sorte. Ou alors, n'importe sa crivelle, l'immobiliser tout l'État américain. Ça veut dire que, ou américain, ou paye sa chair sous main intérêt. Et la justice américaine, bien que grand pile là nous qui pas forcément remé américain, parce que soi-disant, son mauvais pays. Mais on est américain, yo. Aux États-Unis. Pays ça, son pays qui a marché et son pays côté la justice a régné la donne. Ça veut dire que la justice américaine pas jouer. Parce que, faut que la société américaine n'arrête une société qui est équilibrée. Qui ça m'a les sociétés équilibrées, hein? Son société côté, littéralement bien balancé, dépendamment de son fait, hein, gon baye qui tombe sous. Ouais, aux États-Unis, t'as une société qui bien balancée. De vous faire affaire correct, affaire droite, ou être dans le cadre, dans le rôle, et bien après compenser. Il y a bonne possibilité pour vivre, t'as tout grand citoyen, et en plus, ce qu'a bon récompense, dépendamment de dans quel domaine, ou ap évolue. Mais l'offre bagay qui pas cadré avec ça qu'on fait, l'offre bagay qui anormal, l'offre sorti dans le rôle, yon sanctionné. Parce que c'est comme ça pour société à marcher, pour le rester en société qui bien balancée.
Et même Jean, oui. Nego sanctionné yon, parce que yon, il était dans kidnapping, il était dans contrebande. Et en parlant de contrebande, yon n'a qui important pour nous dire, c'est que contrebande, c'est une marque qui a prolongé Haïti dans le moment. Contrebande, c'est lui-même qui l'a gagné dans Sania là tout. Parce que, li fait que la police, là, li pas qu'à contrôler quantité d'âmes qui a rentré dans le pays. Elle fait l'État perdre du contrôle territoire. Or, l'État a une obligation pour reprendre contrôle frontière avec douanier certainement. Et pour la police lui-même, capable de contrôler Zamio. Et c'est le sort de bataille contre le banan. Parce que le contre le banan, si ne pas contrôler, c'est lui-même qui a contrôlé. C'est lui-même qui a contrôlé. Donc, nous sommes que Marion de Sol a parlé de question ça. Oui. On a cherché une séquence ça non. La paix m'a tout compris plus bien. C'est la boue politique à côté de la parce que c'est la police pour qui dit mais semblé. Oui. Vous comprenez? Même gens, la police perd du contrôle à faire ZAM, contrôle ZAM sur le territoire. C'est à partir de là. L'MD là, pourquoi avoir une bonne autorisation pour acheter un ZAM? Faut que vous écrit ou justifiez. Ok? Et puis là, ça qu'on y a, nous étudier le monde là pour nous garder si au moins nous cabons ça aurait les autorisations pour acheter. You have been met ou bien au fusil 12 dans aux États-Unis. Je pas venir aux États-Unis qu'on y a sans autorisation chef police là. C'est protocole ça qui est établi pour nous au moins faire même citoyen yo bien accès avec ça pour la défendre tête yo. Pourquoi ça passé après? Ben la vie changer qu'on y a, c'est l'État qu'on y a qui vient pas chez ça pour la police alors que c'est la police lui-même qui a parti le budget qu'on a fait demande lui et puis qui a dit mais ça le besoin et puis à partir de ça qu'on y a c'est la police pour qu'elle prend yo. Bon imagine qu'on y a pas chez ça et puis qu'on y a pour la police. Je sais pas. Le ministre dit, et puis ça passe pour nous dire à tout, avec de l'empaille d'autorisation, nous avons eu là, tout député, tout sénateur, nous avons eu un peu, ils ont venu, légaliser ça pour maintenant. Depuis qu'on légalise le constat, ça veut dire, ou ouvrez pas pour contre le bandit là. Faut que vous disiez, d'accord, vous avez un peu. Faut que c'est Zil pour dire qu'on a eu. Donc, si monsieur Kounia a eu un fait l'entrée, il faut capable bloquer le circuit de façon à ce que Kounia gagne contrôle de l'âme. Or, le directeur général là, Kounia, pour le faire tel sénateur, tel ministre président, tel homme ministre président Kounia, il tombe légaliser les âmes alors qu'il n'a pas autorisation pour acheter les âmes. Il gâte les bagages là, il va même monter le gâteau. Or, son protocole d'accord qui était établi entre, pour la police là avec l'autorité américaine pour monter au moins gagner à faire accès à les âmes. Donc, je dis à le gars net qui vient faire Kounia, il vient amplifier contre le bande là. De façon qu'on va un contrôle lié encore. Il y a des gens qui ont un citoyen qui a gagné 6 hommes la Calibri. Donc, depuis les Sakounia, il y a une prolifération. Il y a des gens qui ont fait 700 000 hommes en circulation et sur le territoire que la police a connu. Or, c'est la police même qui a fait le problème. C'est l'MD là. On va foutre des gens pour venir pour légaliser pour moi. Je ne vais pas légaliser parce que je ne vais pas autorisation. Je ne vais pas faire ça. Contrôle le travail. Donc, vous m'avez arrêté. Bon, tu comprends? Ça dégo fait qu'on y a passé par auto, par des politiques, sénateur, député, qu'on y a, à côté chef de police, qu'on y a, pour dire chef de police, à l'égalité, ça bouillot. Mais pour dire ça, commencé, oui. On va arriver, c'est déjà ça, commencé là. Donc, nous pas respecter rien que nous-mêmes nous établis. Donc, je dis, elle a plein, que, et ça va rentrer dans le pays, à bon bandit. Non. C'est pas ça pour nous, beaucoup n'y a, ok. Je dis, elle a parlé de base, elle a parlé de lui. N'est-ce pas qu'un homme, mais c'est vrai. Faut regarder toujours. Comment regarder toujours vendre? Qu'est-ce qu'elle a alimenté? Donc toute question c'est la liée, même si je suis policier, je ne vais pas faire. Bon, je vais intéresser avec l'examen. C'est une des cas venus à toucher un intéressé. Je vais mettre mes souillons et puis nous avons un examen. Je vais mettre mes souillons et puis nous pas servi à rien. C'est pas normal. Donc ça veut dire que nous avons une complicité qui a fait dans le niveau, dans le plus haut niveau de l'État, et toute action que tu as faite contre les cas venus à toucher un intéressé. Alors, si le problème à Haïti est là, et que nous sommes tous conscients de lui, c'est que pas un pays. Décidément, faut que nous ta recamper l'État. Parce que ouais, si nous ne pas recamper l'État, nous pas 6. Ça veut dire, nous pas jamais gain pays tout autant que nous pas faire effort pour nous ta même refaire l'État. Parce que ça lié. L'État est c'est lui-même qui tête quoi. Donc si tête là, il pas bien fait. Et mais quoi pas qu'à suivre non. Donc je dis à la pagaille ou de pas voir, faut nous refaire l'État pour tout problème est capable. Résoudre, n'est-ce pas, professeur? Il y a un intérêt pour le groupe dominant au Takagé. D'abord, il faut faire l'État. Il faut refaire l'État. Or, l'État n'a mené. L'État, c'est levier par eux pour accumuler richesse. Non pas pour rééquilibrer la nation, pour distribuer le budget. Non, l'État. Il faut refaire l'État. Et c'est ça que l'État vient aussi corrompu, vient aussi gangrené par la corruption. Parce que justement, l'État maîtrisé par groupe ça. Donc,
moi je pense que c'est là tout déséquilibre. Parce que quelque chose qu'on peut analyser ou pas besoin loin. On nous fait 30 ans en arrière ou 35 ans, 40 ans. On a regardé le club football, l'université. Tu as gagné Violette Racing, tu as gagné des éléments de la bourgeoisie traditionnelle. Tu as qu'on a investi dans le football, nous jouons au football ensemble, nous mangeons ensemble, nous faisons des blagues ensemble, nous avons des lieux. Tu as des stades de 14? Oui, nous avons des lieux de socialisation que nous rencontrons. Même si tu as un problème de couleur, problème de classe sociale, mais il était là, oui, mais ce n'est pas un indicateur fondamental qui fait que moi, je ne suis pas là-dedans, qu'il faut que je ne suis pas là-dedans. Nous, on était là. Dans la faculté de médecine, dans l'agronomie, dans la faculté de droit, tout le monde était là, toute classe yoga, la bourgeoisie, la classe moyenne, la classe populaire, la débouca, il y a une place où il y a un étudiant là. Ce n'est pas ça que fait là, je veux dire. Je ne sais pas si je suis là, il y a une faculté de théologie. Ce n'est pas ça que là. Là, chacun a l'encampage. Université de l'État a quitté le bounou. Et football là, il a quitté le bounou. Est-ce qu'on comprend? C'est-à-dire que il y a un engagement haïtien. Un engagement social qu'on va joindre. Le capital social là, désagrégé? Non, vient désagrégé, vient. Donc, on a ça comme problème. Comme problème. Ça veut dire que ça, nous vivons une société polarisée. Mouna ou mouna ba m'di li déjà, moun pauvre ou riche, parce que la société a vu une bague mi temps, ou d'accord avec sur ça. Hein? Je dis à la si yon mouna dans le supermarché, ou market, la l'acheter. Quelle classe populaire aussi dans le ghetto, quelle classe moyenne, market là, bière, ou pas besoin qu'on coule le visage, ou bière 20 ans, jus 20 ans, étiquette là. Étiquette là, et pas qu'on figure, ou pas qu'on classe ou tout bail ça. Mais il y a un monde qui pas calme dans le market là, faut d'accord avec. Donc, ou vin un problème ça, qui fait que fondamentalement, toutes questions sont questions économiques qui est là. En question politique, parce qu'il faut réorganiser la nation, il faut réorganiser l'État. Mais il faut gagner un autre regard sur l'économie. Sur comment les groupes exclus, traditionnellement, historiquement, comment on, comment on va intégrer les paysans. Le métier d'agriculteur dans 10-15 ans, il va disparaître, il va exister encore. Ça fait ça. Sociologiquement, le paysan haïtien qui depuis 50-60 ans travaille la terre, en termes d'accumulation, M. Bagon Belkaï, il n'y a pas un canet banque, il n'y a pas une belle machine. Son nègre qui est dans la suivi perpétuelle, qui est dans. Ben, petit li pas fait job ça pour vous. Petit li papa fait 60 ans, 75 ans de travail à la terre, petit li vend terre, il vend mot sur terre, il loue, il achète une moto, il vient dans la ville. Là. Est-ce qu'on aime les autres? Ça veut dire que la production agricole là subit, en termes qualitatifs, une conséquence parce que. Je dis à se comparer un paysan dominicain avec un paysan haïtien, comparaison pas possible. Nous avons un paysan dominicain, il y a l'État qui ramasse l'agriculture. Parce que fort dominicain produit pour lui, 11 millions de monde qui y a, il y a 6 millions de monde touristes qui reçoivent chaque année, il faut produire pour le manger. Il gagne pour le vendre en Haïti. Il gagne pour le vendre en Haïti et dans les Caraïbes là. Il faut le faire l'argent, il faut le faire comme. Donc paysan dominicain, plus il gagne infrastructure, l'État mettez pour lui. Il gagne meilleur encadrement, il gagne comme. Il gagne formation parce qu'il gagne technologie. Dominicain dans OGM, il a produit des productions industrielles. Ou même, on a un système de la terre brûlée, même vieille pratique agricole, paysan déclassé, déshumanisé, ça bon là. Quand on a parlé avec un modèle comme ça, non seulement crise, avec toutes conséquences, marché agricole pas nous, les subit poids, concurrence des lois à l'autre position de l'autre côté, l'État pas grand pour l'État pas investi, paysan pas d'information, li pas gain encadrement, sauf le monde ça vient basculer dans la pauvreté, dans la misère, à toute petite li. Pablié ou sur Wendy 509, Chanel ça, qui a ba ou information, commenté à analyse, pour tout haïtien qui branche tout partout, dans diaspora ou ici, haïtien qui au Brésil, qui en Argentine, qui en Équateur, haïtien au Chili. Haïtien qui n'en pays la Turquie, la France, haïtien qui n'en pays l'Espagne, haïtien qui en République Dominicaine, en Guyane française, n'en pays Suriname, haïtien qui au Mexique, aux États-Unis, au Canada, Pabli Yaya Kodla, c'est 509, depuis où c'est haïtien ou carré famille. Alors, Pabli, partagez, commentez, partagez dans tout groupe, dans tout réseau.